Tu te souviens quand ils sont arrivés? Tu te souviens du 9 avril? Je pense que oui. Tout le monde s'en souvient. Du jour au lendemain, ils étaient partout. La Gestapo, la Wehrmacht, l'Abwehr, les SS. Tous les corps de l'armée allemande. Les nazis allemands. Les nazis danois. Ils sont sortis de l'ombre. Ils avaient attendu leur jour. Es-tu allé dans la rue pour les regarder? Qu'as-tu pensé? Agis avec détermination. Exécute ton plan. Si tu gardes ton calme, personne ne se doutera de quoi que ce soit. Les gens ne regarderont que les morts. Rien d'autre. Ils ne te verront pas partir. Ils ne se souviendront pas de toi. Pas du tout. Je sais que je fais ce qu'il faut. C'est la seule chose à faire. Tu comprends ? J'ai un bouquet à vous remettre, envoyé par le siège de Dagmarus. Bonjour. Ostergaard Petersen. Ouais, c'est moi. J'ai quelque chose à signer? Non.
m'a souvent demandé pourquoi. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi? Faut pas les provoquer, Ducal. D'accord. Une bonne raison. Schalburg. Bonjour. Vous avez les papiers? Non, je regrette. Tu sais, s'il y a des papiers. Des Danois en uniforme allemand. Des traîtres. Certains sont des soldats expérimentés qui viennent du front de l'Est. D'ignobles salauds. Impossible à approcher. Toujours en groupe. C'est de la vermine. Les gens des ambulances nous aident. La police nous aide. Tous ceux qui n'ont pas peur nous aident. Monsieur Ghost. Les enchères grimpent. 10 000 couronnes. Pour qu'ils nous balancent? Non, pour qu'ils te balancent, toi. Ils savent quoi? Ben, ils savent que tu as les cheveux roux. Ils feraient bien de te teindre, Bent. Porte un chapeau, sinon. Tu crois? Oui, ou... Trouve-toi une casquette, si tu préfères. C'est lui. Autre bonne raison. Les rédacteurs nazis qui dégueulent leur propagande à longueur de journaux. Monsieur Ghost ! Chacun a ses raisons. Le 9 avril, Jürgen regarde les Allemands marcher sur la ville. Les interminables files de soldats lui retournent l'estomac. Il a envie de vomir. Une envie qui ne le lâche plus. Jusqu'à ce jour de l'été dernier, où il entre chez un vendeur de radio. La pièce du fond, ils impriment des tracts clandestins. Et Jürgen rencontre enfin des gens qui partagent ses idées. Il ne leur faut pas longtemps pour s'engager dans la résistance. Aujourd'hui, Jürgen et quelques autres sont les seuls qui restent. Tous les autres se sont enfuis, se sont fait tabasser en prison, ou sont morts, fusillés par un peloton d'exécution. Mais Jürgen s'obstine. Il fait passer des pilotes britanniques de nuit. Il s'obstine à fournir des explosifs aux saboteurs. Il prend des comprimés pour ne pas s'endormir. Il procure des armes. Tout. Et c'est lui qui m'emmène en voiture. L'heure? 11h25. Une balle dans la nuque. Axel Winter. Il est avocat de la police. Des témoins? Non, aucun. En tant que tel, il a accès à toutes les sources d'informations confidentielles au QG de la police.
Il est en contact avec les Britanniques. Ostergaard Peterson, 12 heures. Et c'est d'eux qu'il reçoit directement ses ordres. À l'automne dernier, il a aidé des Juifs à fuir le pays. Sans lui. Et Ghost? Il n'y avait rien. Tout ordre doit suivre la voie hiérarchique. Jamais je ne vous ai donné l'autorisation de supprimer Ghost. Nous avons estimé que le risque était nul. Oui, on passait dans le quartier. Tiens donc. Une signature pour les huiles de Stockholm. Il y a des choses qui se préparent. Quelles choses? Des choses qui demandent de la discrétion et... une très grande discipline. Ça va te plaire. Avec Winter? C'est du sérieux. C'est toujours du sérieux. Mère Patrie. Mère Patrie. Qui d'autre fêterait 3 exécutions dans un endroit qui grouille d'Allemands? Ça nécessite des règles? Nous ne sommes pas nombreux, et c'est difficile de dire qui fait quoi. De temps à autre, nous nous retrouvons, mais en général, nous travaillons seuls. Là, c'est Bob, un vétéran de la guerre d'hiver en Finlande, l'enseignant, baptisé le cerveau, expert en collecte d'informations. Grand ours, expert en dames, toujours prêt à faire la fête. Et petit ours, spécialiste des armes, le bruit court que lorsqu'ils abattent un homme. Ils abattent aussi sa femme. Le marchand de vin, qui vend des informations, aussi bien à nous qu'aux Allemands. La banane, qui participe à autant d'opérations que possible. Karl, un gars timide, mais dur quand il le faut. Heinrich et Teddy, étudiants, les plus jeunes d'entre nous. Le maigrichon, qui parle, qui n'arrête pas. Et toujours de nourriture. Karen, précédemment religieuse en Belgique. Elle a son propre groupe à Kastrup. La banane considère qu'il lui incombe de la protéger. Et Jorgen, mon ami. Nous en avons déjà parlé. Je ne veux surtout pas que tu lui tournes autour. Karl-Heinz Hoffmann, chef de la Gestapo. C'est lui qui nous pourchasse. Je viens de la part d'Hoffmann. Il faut que tu ailles le voir. J'arrive. Mais on pense. Non, c'est pas moi, c'est le. Il ne faut pas s'y tromper. C'est le plus grand massacreur que le Danemark ait jamais connu. Mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Sven Christensen, inspecteur de police. Et vous êtes? Katie. Katie Selmer. Katie Selmer. Santé, Sven Christensen. Santé. Je le trouve excellent. Vous êtes marié? Oui. C'est la première fois que je vous vois. Je viens rarement ici, parce que je voyage. C'est bien ça. Vous faites quoi? Styliste de mode et photographe. Là, j'ai terminé une série de photos pour un journal.
veux savoir qui vous êtes. Merci pour le vin. Qui êtes-vous? Vous pouvez répondre. Vous devriez être moins curieux. Au revoir, Ben. Peut-être que ça a simplement échappé à un des gars. Non, ils ne prendront jamais mon nom. La voilà. C'est un hôtel Bosch. Il pullule là-dedans. Bon, je vais y aller. T'es sûr? Si dans une demi-heure t'es pas revenu, je viens voir. Police judiciaire. Cathy Selmer. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux entrer? Qui connaissez-vous? Je travaille comme styliste et photographe de mode. Regardez. Vous m'avez appelé Bent. Pourquoi? C'est bien votre nom. Que faites-vous réellement? Je peux pas vous le dire. Et pourtant, il le faut. Je suis courrier. Stockholm, Copenhague. Je remets des lettres. Je connais le marchand de vin. Le marchand de vin? Il se borne à donner des informations. Ce n'est qu'un intermédiaire. Ce n'est pas pour lui que vous travaillez. Je connais aussi Winter. Que faites-vous pour lui? Vous savez que je ne peux rien vous dire. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Ah non? Vous aviez autre chose à l'esprit. Je ne couche jamais avec les femmes mariées. Mon mari est homosexuel. C'est un mariage de pure forme pour moi. Il est suédois, alors je peux faire la navette comme je veux. Tu te sens attiré par moi? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je te trouve belle. Je peux savoir quel âge tu as? 23 ans, pourquoi tu me demandes? Tu es tout jeune. L'âge a son importance. Va-t'en, maintenant. Cathy Selmer, c'est ton vrai nom? Oui, bien sûr. Pourquoi? Allez, va-t'en. C'est Lys, ma logeuse. Et son mari, Elmer. C'est là que je vis. Dans leur sous-sol. C'est un bon endroit. Un bon endroit où attendre. C'est comme ça. La plupart de mon temps, je le passe à attendre. Il s'agit de Horst Ernst Gilbert, colonel et rédacteur à la Dépêche de Scandinavie, où il dégueule sa propagande allemande. Réfugié politique depuis 1934, en réalité c'est un espion de l'Abwehr qui a de grosses responsabilités. Il a pour proche collaborateur Hermann Seibold, Obersturmbannführer SS, chef des agents de Scandinavie.
Et pour finir, Madame Elisabeth Lorentzen, auteur au placé à l'APVER, secrétaire de Gilbert. Je vous offre un gâteau. Et c'est du vrai café. Ce sont des Allemands ? Des espions allemands. Mais peut-être, oui, n'empêche qu'ils sont allemands. Le Conseil de Libération a interdit qu'on les liquide. Ah, c'est une recommandation, pour être exact. De celle que nous pouvons ne pas suivre. C'est un ordre des Britanniques. Londres veut que l'Abwehr soit rayé de Scandinavie. Ah oui, ouais, j'ai compris tout de travers, alors. Je croyais que notre boulot, c'était d'éliminer les traîtres et les nazis danois. C'est une de vos tâches, effectivement. Mais vous appartenez aux forces spéciales, et vous ferez ce qu'on vous dira. D'accord. Très bien. Qu'en dis-tu, Bent ? C'est parfait. Mais je ne tire pas sur les femmes. Ah non ? Non. Alors tu le feras, Citron. Si ce n'est pas aussi un problème pour toi ? Pas du tout, non. Donc, on descend des officiers allemands de haut rang. Dans ce cas, on n'a qu'à s'occuper d'Hoffmann. C'est sûr qu'on paralyserait la Gestapo. On n'a reçu aucun ordre concernant le chef de la Gestapo. Vous pourriez le donner. Je ne peux pas et je ne vais pas le donner ! Je veux que vous foutiez la paix à Hoffmann, tous les deux ! Bent ? C'est important de ne pas te laisser entraîner dans une discussion avec Gilbert. Il a une très forte personnalité. Il a un potentiel cérébral étonnant. Tu frappes à la porte et tu tires sur lui. Ouais. Tout est clair. Ouais. Bonsoir, Nelson. Bonsoir. J'ai rencontré une femme du nom de Cathy Selmer. Elle est photographe. C'est vrai. Tu ne l'approches pas. Tu es là pour moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis curieux de savoir comment tu connais mon nom. Ça a dû échapper à quelqu'un. Ouais. Reste à savoir qui, justement. Ne t'inquiète pas. Nous sommes dans le même rang. C'est vrai. C'est Winter. Je ne veux pas te répondre. Je veux que tu ne poses plus aucune question. Ne reviens plus ici. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Bonne nuit. Je devais tuer cette femme. Celle qui a donné Finn. J'ai grimpé l'escalier. Frappé à sa porte. Elle a ouvert, j'allais appuyer sur la détente. Mais elle a eu le temps de me dire qu'elle n'était pas du genre à donner les gens. Qu'elle l'avait dénoncé parce qu'il l'avait quittée. Il lui avait promis de l'épouser, l'ennui, c'est qu'il lui a caché qu'il était déjà marié. Ce n'était qu'une pauvre femme malheureuse. Elle était là à me dévisager. J'ai pas pu tirer. Elle pleurait, elle pleurait, elle arrêtait pas de pleurer. J'ai pas pu. J'ai pissé dans mon froc et j'ai décampé. 8 jours après, elle m'a donné 2 de plus. Je me suis juré que ça ne se reproduirait jamais. Pourquoi t'as pas pu tirer ? J'ai oublié que c'était pas des gens qu'on tuait. Mais des nazis. Celle-là, elle est à toi, Jorgen. Faut y aller.
Si t'es pas revenu dans 5 minutes, je viens voir. T'es prêt? C'est la femme à l'épaule. Tu sais, Bent, moi j'ai jamais tué personne. Je suis désolé. Qui êtes-vous? Je représente Monsieur Winter, avocat de la police. J'ai des documents juridiques que je dois remettre. Pourrais-je voir votre insigne? Bien sûr. On ne saurait être trop prudent de nos jours. Mon mari est en train de se reposer. Je vous offre du thé. Danke, Bodjoni. Der berühmte sowjetische Reitergeneral, ich habe ihn persönlich ausgebildet. Herr Christensen. Sven Christensen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten viele deutsche Offiziere das Glück, in der Roten Armee unterzukommen. Deutschland war ein armes, zerrüttetes Land. Die russischen Offiziere, die jetzt so heldenhaft gegen die Wehrmacht kämpfen, wurden von uns ausgebildet. Ich nehme an, das wissen Sie. Sie kommen von meinem Freund Winter. Ja. Ich soll Ihnen diese Dokumente aushändigen. Danke. Haben Sie Probleme mit Ihrer Hand? Sie sprechen sehr gut Deutsch, Herr Christensen. Danke. Ich habe in Deutschland gelebt. Mein Vater hat mich dorthin geschickt. Sie arbeiten im Widerstand. Ich meine, Sie kommen im Auftrag von Winter. Seien Sie unbesorgt. Ich hege keine besondere Sympathie, weder für Hitler noch für den Nationalsozialismus.
Ob ich Eid für den Führer? Das muss ich mit meinem Gewissen ausmachen. Sie sind ein Partisan. Das ist sehr interessant. Ein Soldat ohne Front. Sind Sie auch ein guter Soldat? Ich meine, sind Sie bereit, den Preis dafür zu zahlen? Welchen Preis? Was glauben Sie? Das Leben. Sehen Sie, es gibt drei Gründe, einen Krieg zu führen. Das erste ist die Karriere. Es kommt ziemlich häufig vor, macht aber keinen guten Soldaten. Man hat Angst zu sterben und denkt immer nur an die Zeit danach. Der zweite Grund, die Ideologie, die Liebe zum Vaterland, das ist schon interessanter. Aber der Schwärmer scheitert. Er ist nicht robust genug. Er ist nur oberflächlich. Jugendlicher Leichtsinn, jugendlicher Überschwang. Es sei denn, er ist wirklich entflammt. Fanatisiert, wenn Sie so wollen. Dann ist er ein guter Soldat. Und der dritte Grund? Hass. Hass auf den Feind. Der Hass beflügelt dich. Du tust Dinge, von denen du nie geglaubt hättest, dass du sie tun kannst. Etwas anderes ist der Hass, der in einer privaten Neurose wurzelt. Wie meinen Sie damit? Der Neurotiker ist intelligent und er ist ein Zweifler. Wenn er niedergeschlagen ist, trägt ihn sein Hass nicht mehr. Dann siegt der Zweifel. Der Krieg nimmt keine Rücksicht auf den Neurotiker. Den milden, guten Vater finden Sie im Krieg nicht. Ihr Kampf, Christensen, ist berechtigt. Jetzt müssen Sie nur noch ein guter Soldat werden. Schon gehen? Sollte es wohl sein. Sie machen einen großen Fehler. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommt. Bent, on va t'emmener dans une clinique privée.
Quand tu reçois un ordre, tu t'y conformes. Le sujet est clos, tu m'entends? Ça n'a pas été simple de venir à bout de Seibold. Bien sûr que non, c'est un soldat entraîné. À qui croyez-vous avoir affaire? Madame Lorenzen a été tuée. Et Seibold a été touché assez gravement. Un sur trois, c'est un résultat insuffisant, compris? Eh ben, vous n'avez qu'à le faire la prochaine fois. Je ferai celui qui n'a rien entendu. Je t'avais pourtant prévenu que Gilbert était redoutable. Il est anti-nazi, c'est ce qu'il m'a dit. Il a de l'admiration pour nous. Tu crois ça? Il dirait n'importe quoi pour sortir du pétrin. Gilbert est follement intelligent. Tu vois, il savait que t'allais venir. Il t'a manipulé. Il a bien ri de toi toute la journée. Ensuite, il a raconté tout ça à Hoffman pour le faire rigoler. À l'avenir, je le saurai. Désolé. 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 Tout ce que je te demande, c'est de survivre. Je vois Hoffman dans une demi-heure. Ben t'a oublié l'enveloppe chez Gilbert. Hoffman demande une explication. Le livre qu'elle voulait. Mais pourquoi? C'est pourtant bien lundi. Non, c'est aujourd'hui. On va le fêter. D'habitude, on le fête. Il faudrait qu'on ait de quoi le fêter. Tu ne rapportes rien à la maison. Et tant que je serai mariée avec toi, mon père ne fera pas un geste. Allez, je continue. Encore 50. Attends. Prête-moi un peu d'argent. 50 pour voir. Il compte là-dessus. Allez, prête-moi un peu d'argent. Non, je peux pas. Allez. C'est l'anniversaire de ma fille. Allez, crache. Allez, apparence. Ouais, vas-y. T'as qu'à plutôt demander à l'épicier. C'est un nazi et il est plein aux as. Mais je suis pas un voleur. Deux gars. Reste à distance, toi aussi, petit ours. T'approches surtout pas de ce type. Jouer dehors avec ton nouveau yo-yo. Désolé. Elle s'est sifflée alors? Oui, il y a plein de choses qui se passent.
Bodil, une fois encore, je te demande de réfléchir. Mais tu n'as pas le choix. On n'est plus en sécurité là-bas. Ici, je suis en sécurité. Je pourrais aller vous voir en Suède. Je peux pas le faire ici. C'est pas la vie que tu recherches, c'est tout. Tu n'es pas ce genre d'homme. Je suppose que oui. Ces hommes sont sous vos ordres, vous devriez savoir ce qu'ils font. Je devrais, oui, mais je n'en sais rien. Ah, enfin. Spex des services de renseignement de l'armée danoise. Voici Flamme et Citron. Bienvenue à Stockholm. Merci. Bienvenue. Merci. Il y a 3 jours, la Gestapo s'est vengée des attentats contre les officiers allemands. Ils ont immobilisé un tramway en pleine rue et ils ont lancé des grenades sur les 29 passagers. Vous imaginez sûrement les conséquences. Mais sinon, je vous invite à ouvrir ce dossier pour mieux vous en rendre compte. La Gestapo menace de recommencer si les attentats continuent. Ils font régner la terreur. Oui. Terreur qui aurait pu être prévenue si vous ne vous étiez pas mis à liquider des Allemands. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah non? Il se peut que vous réussissiez à convaincre Hoffman que vous n'avez rien à vous reprocher. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est vous qui avez ordonné l'élimination de Gilbert, d'Elisabeth Lorenzen et de l'espion en chef Seibold. J'ignore toujours de quoi vous parlez. Je ne fais qu'appliquer les ordres que je reçois directement des Britanniques. Directement d'eux? C'est cela, et je ne dois en référer à personne d'autre qu'à eux. J'avoue que je ne vous suis plus. Êtes-vous en train de vous payer ma tête? Pourquoi on est là? Voici un ordre que vous exécuterez. Il n'y aura pas de représailles suite à l'épisode du tramway. Toutes les exécutions, tous les sabotages cesseront sans plus attendre. Les groupes communistes ont reçu des ordres identiques. Il faut maintenant que nous réunissions environ 50 000 hommes armés qui prendront les Allemands en étau le jour où les forces alliées lanceront leur débarquement à l'ouest. C'est du sérieux. Il faut que la paix revienne pour mettre en place ces groupes clandestins. Quant à moi, il faut que j'écoute ce que les 29 victimes veulent me dire. Une seule et unique chose. Vengeance. Vous qui avez servi comme militaire, monsieur Forchovid. Merci, Saïra. Vous savez sûrement qu'il peut y avoir de lourdes conséquences à désobéir en temps de guerre. Dois-je y voir une menace? Voyez ce que vous voulez. Nous préparons une opération militaire d'envergure, et ni nous, ni les Britanniques, ne voulons la voir échouer à cause d'une résistance civile qui frapperait aveuglément. Notre but n'est pas d'intensifier la guerre, mais d'imposer la paix. Je continuerai à me plier aux ordres que me donnera mon commandement. Comme par exemple, exécuter Gilbert? Bien entendu. Je vais personnellement appeler Londres et je saurai pour qui vous travaillez. En attendant, vous suivez les ordres que je vous donne, c'est clair pour tout le monde. Mère Patrie. Mère Patrie. Mère Patrie. Mère Patrie. Oui? C'est Winter.
Spex manque de lucidité. Il s'imagine qu'il peut tout diriger depuis la Suède. Il ne nous lâche plus. Non. C'est Spex qui nous envoie ses hommes ? Il n'est pas si malin. Ce sont les services secrets suédois, la SAPO. Ils sont inquiets. Pourquoi ? Parce que tu pourrais abattre quelqu'un sur leur territoire. Ils ne veulent pas fâcher les Allemands. T'es une célébrité ici. Merci. Ça va être dur d'approcher Gilbert. La Gestapo le protège. Il a deux gardes du corps en permanence. Dans 15 jours, je serai prêt. Pour faire tout ce que vous demanderez. Londres veut qu'on agisse maintenant. Maintenant ? Mm-hmm. Gilbert a un rôle de plus en plus prépondérant. Il devient réellement dangereux. Les ours pourraient s'en charger ? Ils ne sont pas assez discrets. Cela nécessite précision, discrétion et un peu de jugeote. Je pourrais le descendre depuis la voiture. Si on arrive assez près. Non, c'est trop de risques à prendre. Je m'en occupe. Je le fais si vous voulez. Je suis pas d'accord. C'est fermé. C'est fermé. Bon, alors, dites-moi en quoi pourrais-je vous être utile ? Tiens à rester en vie, sale porc nazi. Remplis-moi ça. Sucre, farine, œufs. Levure, tout ce que tu as. Tu as du vrai café pour tes amis du parti. Belle pomme, ajoute-en. C'est du vrai chocolat ? Oui. Pour quelqu'un qui vole de l'argent ? C'est ça ? Tu crois que je suis un voleur ? Tu crois...
crois que je suis un voleur? Tu crois que je suis un voleur? Désolé. Merci. Bonsoir, Jürgen. Bonsoir. Bah dis donc, tu rentres tard. Oui. Bonsoir, mon trésor. Tiens, regarde ce que papa t'a apporté. Elle est belle, hein? Merci. Et attends, tu vois, y a aussi des habits. Et ça, c'est pour toi? Tu devrais en avoir pour quelques jours. Merci. Anne, va te mettre en pyjama. J'arrive tout de suite pour te border. Je veux savoir son nom. C'est vraiment pas important. Je veux savoir qui c'est. Tu ne le connais pas. Je veux savoir, tu entends ? Je veux savoir, nom de Dieu, tu vas me répondre. T'as peur de moi ? T'as peur de moi ? Mais pourquoi t'as peur de moi ? Je t'ai jamais fait de mal ? Je t'ai déjà fait du mal ? Hein ? Tu voudras l'éliminer ? Jamais je te dis, Isette, tu voudras l'éliminer. Moi, je voudrais l'éliminer. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? C'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Je t'aime, Mathilde. Il fallait que...
Je peux essayer ça? Ouais. Si tu veux. A demandé si tu voulais aller en Suède. Pour te calmer les nerfs. Sans blague. Et tu peux lui dire de pas s'inquiéter pour mes nerfs, ils vont très bien. Non, 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 garde-le. J'en trouverai un autre. Merci. De rien. On pourra l'emporter au Japon. Quoi? Une fois que les Allemands auront leur compte. Trouve les Américains au Japon. Flamme et citron au Japon. Exactement. Et l'après, comment tu le vois, toi? Je crois qu'il n'y aura pas d'après. Pas ici. Pas pour nous. Il faut aller de l'avant. Tout récemment, trois de nos camarades. Bob, Karl et le cerveau ont été abattus au Dagmarus. Il y a un informateur parmi nous. Il est évident qu'ils ont été dénoncés. Et il y a une heure, on a procédé à 8 exécutions à Rivengen. Selon notre contact au Dagmarus, 8 autres sont prévus ce soir. Hoffman se venge de l'élimination de Gilbert. Les communistes en ont profité pour saboter la manufacture d'armes. Quant au corps Schalburg, il a investi les jardins de Tivoli et il a tout bombardé. Karl, le cerveau, Bob, j'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Tous ces événements laissent pressentir d'autres représailles et d'autres exécutions. Observons une minute de silence à la mémoire de nos amis sacrifiés. Est-ce que tu es bigame, Soren? Quoi? Est-ce que tu couches avec d'autres? Non. Jamais de la vie. Je serais incapable de ça. C'était les amis. On a servi en Finlande ensemble. Les amis se dénoncent les uns les autres. Je le descends? Je ne sais pas encore. C'est pas moi, merde! Et l'histoire du café, Loritz Bettient? On avait décidé de fêter le débarquement en France. Et on était au bar. Et petit ours, grand ours et moi, on s'est retourné et on a vu
que Bob Carl et le cerveau étaient cernés par des types de la Gestapo. On avait quoi comme solution? À part s'esquiver. Les ours confirment? Il dit la vérité. C'est ce qui s'est passé au Lauritz-Bettient. Ouais, ouais. Je confirme. Bon, alors excuse-moi, Soren. Mais tu sais comment c'est. Ouais. Je sais comment c'est, je comprends. Allez, on va boire un coup. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je saurai qui a dénoncé. En attendant, tâchez de passer inaperçu. Le quartier Westerbro est en plein tumulte. Je veux que vous évitiez d'aller là-bas. Où étais-tu? Où étais-tu quand l'insurrection a éclaté? Où étais-tu le 26 juin? Quand Copenhague s'est rebellé? Enfin, les gens en ont assez. Enfin, ils réagissent. Ça se rapproche. La guerre. On compte déjà 32 morts. Et ça ne fait que commencer. Les communistes se battent. Mais nous, nous attendons. Tu veux en venir? Je dois chanter pour toi? Non. J'avais envie de t'emmener dîner. Qui t'a demandé d'être là? Personne. Hoffmann vient de te désigner comme l'ennemi numéro un de l'Allemagne? Ta tête vaut ce soir 20 000 couronnes et toi, tu forces ma porte? La ville est en plein soulèvement et toi, tu veux qu'on parte dîner? Tu as perdu la tête. D'accord. Désolé. Je te laisse. Tu devrais faire attention. Couvrir tes cheveux. Tiens. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant la guerre? Diverses choses. J'étais danseuse à un moment. Danseuse? Où ça? Au cabaret L'Apollo, tu connais? Qu'est-ce qu'on s'amusait? C'était pas très convenable, mais on s'amusait bien. Et j'ai rencontré plein de gens. C'est comme ça que j'ai connu Winter. Hmm. Il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a trouvé un boulot et un appartement. C'est un homme bien. Tu en es sûr? Oui. Pour quelle raison tu fais ça? Je fais quoi? Tu supprimes autant de gens. Quelqu'un doit s'en charger. Il faut vraiment tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai été envoyé en Allemagne en 1940 par mon père. Pour être formé comme chef et serveur. Le gérant de l'hôtel était nazi. Le chef était nazi. Plusieurs serveurs étaient nazis. Je ne travaillais que pour eux, où que je sois, tout le temps. Il y avait dans ce même hôtel une fille juive. Mais personne ne le savait. Elle gardait ça secret. Seulement le chef l'a découvert. Il l'a dénoncé. Elle s'était fait attraper et tabasser avant que la police vienne la chercher.
Je lutte contre ça. Le sabotage ne change pas grand-chose. On ne réussira que si on les supprime, un par un. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'était ta petite amie. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Et toi ? Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai vu la guerre comme une délivrance. Enfin, je pouvais faire quelque chose qui soit utile. J'ai laissé tomber la danse. Je me suis mise à travailler pour Winter. Je livrais des documents. J'essayais d'obtenir des renseignements que je devais faire suivre. C'était amusant. Au début. Ce n'est plus pareil maintenant. Je ne vois que du gris. Je crois que mon seul souhait, c'est de survivre. Tu veux que je te dise ? Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on ne s'attarde pas dans les parages. Jamais de moi pour voir des informations. Ne me demande jamais ce genre de choses. J'ai pas envie qu'on se sépare pour ça, j'ai ta parole. Ouais. Tout ce que je veux, c'est que cette guerre s'arrête. Pourquoi je ne m'en sortirai pas ? Si seulement je pouvais partir pour ne jamais revenir. Où tu irais ? À Stockholm. La guerre va encore durer un bon moment. Mais tu n'as rien à craindre. Tu crois ? Ouais. Je veillerai sur toi. Est-ce que tu aurais une minute ? Anne, viens m'aider. C'est quoi ton nom ? Morten. Morten. Bon, je te demande de prendre bien soin de ma femme et de ma fille, t'entends ? T'as un travail ? Mais ça te rapporte ? Oui. Bon. Morten, faut que tu sois gentil avec ma fille. Faut que tu sois vraiment gentil avec elle. Parce que si jamais j'apprenais que c'était pas le cas, je reviendrai te voir. T'as compris ? Un café.
présent. Hoffman a augmenté la récompense à 20 000. Je sais. Ça pourrait tenter n'importe qui. C'est bien joué de la part d'Hoffman. Je vous demande de me missionner pour le tuer. Ne compte pas dessus, Bent. J'ai autre chose à te donner. J'ai trouvé le traître. Qui, hélas, fait partie des nôtres. Madame Katie Selmer-Sjöberg. Il faut qu'elle soit liquidée dans les plus brefs délais. Vous vous trompez. Ah ouais? Je la connais. Elle fait passer du courrier. Avant, elle était danseuse à l'Apollo. Merci, je sais tout sur Katie. C'est mon courrier qu'elle fait passer. Elle est au courant de tout. Si nous ne frappons pas maintenant, nous serons tous fusillés. Et pourquoi elle n'a pas dénoncé Bent? Hein? Pourquoi elle aurait balancé le cerveau et Carl alors qu'elle empocherait 20 000 couronnes si elle leur livrait Bent? Tu devrais poser la question à Bent. Katie est un agent double. Elle n'est loyale envers personne. Hoffman l'a coincée, elle lui a fourni des informations. Une chose en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Elle a fini par s'enliser. Tu veux que je le fasse? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis contente de te voir. Assieds-toi. Dis-moi pour qui tu travailles. Winter, évidemment. Mais encore. Qui t'a demandé de faire ce dessin de moi? Personne. Pourquoi tu l'as fait? Je pensais à toi, j'ai eu envie de te dessiner. Comment ça se fait que tu sois si souvent au Dagmarus? C'est parce que j'ai besoin d'avoir des visas pour pouvoir voyager. Regarde. Les visas. Pour qui tu travailles? Je ne dois pas te le dire. Pour qui tu travailles? Je travaille pour les services de renseignement de l'armée. Et également pour Winter. Je me procure des documents que je leur fais passer. Entre autres missions pour eux, j'obéis aux ordres, comme toi. Le traître. C'est toi. Quoi? Pourquoi tu les as dénoncés? Pourquoi tu les as dénoncés? Mais qu'est-ce que tu... Ils t'ont payé combien? Qui t'a fait croire ça? C'est Winter? Oh, quel escroc! C'est une véritable crapule. Surveille ton vocabulaire. Il est sous les ordres de Londres. Lui, sous les ordres de Londres? Jamais ils n'ont voulu de lui dans leur équipe. Ce n'est pas vrai. Je sais bien qu'il reçoit des ordres. Oui,
Mais ces ordres, ils ne viennent pas des Anglais. Je vais te montrer quelque chose. Tiens, regarde. Ce sont les copies de tous les contrats que Winter a passés avec Gilbert. Je garde des copies à Stockholm. Winter a été le conseiller juridique de Gilbert pendant des années. Ils ont fait des affaires ensemble et ça leur a bien rapporté. Extrêmement bien rapporté. Mais un jour, Winter a dû prendre conscience que ses affaires avec Gilbert constitueraient un acte de trahison. Gilbert était quand même un officier allemand d'importance. Quand la guerre serait achevée, il y a fort à parier que Winter se ferait condamner en tant que collaborateur. Et ses bonnes relations avec Seibold seraient examinées avec soin. On l'enverrait en prison. C'était sa seule façon de s'en sortir. Il fallait absolument qu'il se débarrasse d'eux. De Gilbert. Et de Seibold. Pour cela, il s'est servi de toi. Non, non. Ce sont des faux. Non. Ces documents sont authentiques. Winter n'est qu'un salaud. J'en sais vraiment trop et j'ai de quoi le prouver. Donc je dois être liquidé moi aussi. Mais il s'agissait d'espions allemands. Des espions allemands? Arrête. Gilbert et Madame Lorenzen faisaient tous deux partie de la résistance allemande. Seibold était un espion. Mais il semble que lui, tu ne l'aies jamais eu. Gilbert était un manipulateur. Il avait des gardes du corps de la Gestapo. Ce n'étaient pas des gardes du corps. On l'avait assigné à résidence, pour les activités anti-nazis qu'on lui supposait. Si Hoffman avait voulu protéger Gilbert, tu ne l'aurais jamais approché d'aussi près. Tu crois qu'Hoffman a pleuré la mort de Gilbert? Non. Tu lui as rendu service. Et Madame Lorenzen? Gilbert l'employait en tant que secrétaire, elle était au courant de ses contrats avec Winter. Elle s'était aussi engagée contre Hitler. Mais au-delà de ça, c'était surtout une dame charmante, déboussolée par deux hommes. Et Winter? Est-ce que Winter travaille pour la Gestapo? Non. Lui, il cherche à se blanchir. Point. Maintenant, tu la fermes! Ça commence à suffire. Que ce soit parfaitement clair, je n'ai jamais tué d'innocents. J'ai tué un officier allemand, et un officier allemand n'est certainement pas un innocent. Et tu viens me balancer qu'il faisait partie de la résistance allemande? Non mais t'es idiot ou quoi? Hein, dis-moi? Mais Winter, Winter... Non mais qu'est-ce que t'espérais? C'est des gens qui sont riches, et pas toi, y a rien de plus à ajouter. C'est que des tas de merde cupides. T'as eu tort de pas la supprimer quand on a eu l'occasion. Tu parles sérieusement? Réveille-toi un peu. Cette femme s'est bien foutue de ta gueule. Tu permets de dire ça? Elle connaît ton véritable nom. Bon, tu résistes pas longtemps. Tu la baises et bing, tout ce qu'elle te dit devient parole d'évangile. C'est pas toi qui m'empêchera de parler.
Je te le redis, j'ai jamais tué d'innocents. Tu m'as entendu? Je ne voyais rien. Pourquoi j'ai rien vu venir? Il est à Stockholm. Et pendant ce temps-là, on est pourchassé par la Gestapo. C'est ça, la justice? Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui soit juste ou pas juste. C'est la guerre. On choisit nos propres cibles et on les attaque. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie verlassen diesen Ort, ich verlasse ihn auch. Ich stelle die Jagd auf Sie für 24 Stunden ein. Sie fahren nach Schweden und bleiben dort, bis der Krieg zu Ende ist. Und dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Haben Sie über die Folgen nachgedacht? Wenn Sie den Gestapo-Chef liquidieren? Wollen Sie den Krieg nicht überleben? Ich überlebe. Das würde mich sehr überraschen. Es passt nicht zu Ihrem Charakter zu überleben. Sie sind ein Fanatiker, ein Terrorist. Die sterben immer. Sagen Sie, glauben Sie wirklich, dass Sie sich mit Schießen vor dem Krieg retten können? Wissen Sie nicht, dass Sie nur ein Werkzeug für andere sind, deren Motive nicht ganz so sauber sind wie Ihre? Eigentlich habe ich gedacht, dass Sie derjenige sind, der die Gruppe lenkt, der sich all die zugegebenermaßen mutigen Aktionen ausgedacht hat. Aber das war ja Winter. Ich meine, wie um Himmels Willen haben Sie diesen Menschen jemals ernst nehmen können? Das ist ja völlig unzuverlässig. Und jetzt wollen Sie übernehmen. Sie wurden verraten und sind wütend. Jetzt muss der Gestapo-Chef dran glauben, aber warum? Was würde das ändern? Wir sind gleich. Ich liebe Dänemark. Sie lieben Dänemark. Die schöne Landschaft in Nordseeland. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Sie haben ja recht. Die nationalsozialistische Idee war gut, aber unmöglich. Viel zu viele Gefühle. Sie ist für eine Geliebte.
Sehen Sie, was diese Idee der Welt angetan hat? Aber sehen Sie in mir was anderes? Sehen Sie in mir eine Möglichkeit? Ich habe meine Ideale aufgegeben. Ich muss überleben. Und ich will, dass Sie auch überleben. Was sagen Sie? Ich verstehe dich. Gut. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Da kommt die Polizei. Oder noch viel schlimmer für Sie, deutsche Soldaten. Wollen Sie warten, bis Sie umstellt sind? Et je dois repartir avec ta réponse. Ils se voient à Stockholm, après-demain, à 10h. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Aucune idée. Qui participe ? Spex et quelqu'un du Conseil de Libération, ainsi que Winter. Axel ? Oui. Il a été disculpé de toute accusation. Ce sera sans moi. Tu devrais y aller, Bent. Tu devrais y aller. Et écouter ce qu'ils ont à dire. C'est important, tu comprends? Je me suis portée volontaire pour te parler. J'avais envie de te voir. De voir que tu allais bien. Ouais, je vais bien. Je vais leur dire que tu viendras. Bonsoir, messieurs. Vous êtes de nouveau avec Winter ? Non, nous sommes dans l'armée maintenant. Il paye bien. Nous sommes dans l'obligation de vous confisquer votre matériel. Allez-y. Très honoré. Bonjour. Je représente le Conseil de Libération, on m'appelle Corbeau. Vous connaissez Spex et Axel Winter ? Monsieur Winter est ici comme représentant des forces armées américaines. Intéressant. Je souhaiterais commencer cette réunion avec de bonnes nouvelles. Nous sommes sur le point de voir avancer nos négociations avec les Allemands en ce qui concerne le terme qu'il convient de mettre à l'insurrection. Pour la population, convenons que c'est une grande victoire. Le couvre-feu sera suspendu, le corps Schalburg se retire. À la condition que les deux camps en présence conservent leur calme. Vous saisissez. Est-ce que tout le monde est au courant des agissements d'Axel Winter ? Il nous a fait liquider des gens qui n'avaient rien à se reprocher. De vieux amis. Des gens qui le gênaient. Qui t'a fait croire des bêtises pareilles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui plus que moi a œuvré pour que les Alliés reconnaissent le Danemark ? Excusez-moi, quel vieux ami ? Flamme ? Gilbert. Un Allemand impliqué dans la résistance. Katy Selmer, courrier d'Allemand. Un résistant allemand, Gilbert ? Mon garçon. Les Alliés ne reconnaissent pas de résistance allemande. Elle n'a jamais existé pour eux. S'agissant de Madame Selmer, c'était une erreur et toute la lumière a été faite. Monsieur Winter s'est expliqué. Pour nous, cette affaire est classée. C'est un simple malentendu. Un malentendu. Excusez-moi. Un malentendu.
Et dans une minute, quand je vous abattrai, je vous expliquerai que c'est une erreur. Tout le monde en convient. Je vous admire sincèrement, Flamme. Mais la guerre peut être déconcertante. Vous le savez bien. Toutes sortes d'informations fusent de toutes parts. Et le plus avisé, c'est de garder son sang-froid. Jamais le Conseil de Libération n'a entendu parler de liquidation d'innocents. Donc, avec votre accord, nous allons poursuivre cette réunion. Êtes-vous communiste, Fourchot ? Non. Je préfère en être certain. Qu'est-ce que vous diriez d'être nommé officier ? On vous confiera le commandement de 10 000 hommes stationnés à Copenhague. Vous aurez le grade de capitaine. Capitaine ? Eh bien, dis donc, Bent. Tu te rends compte ? Soit vous combattrez aux côtés des Anglais, si les Allemands résistent, soit vous combattrez contre l'armée rouge, si jamais elle est en premier sur les lieux. C'est la survie de la démocratie qui va se jouer, et nous souhaiterions nous servir de votre nom. Mais comment vous comptez vous en servir, au juste ? Nous allons avoir besoin de héros. Les héros dont on parle dans les écoles, les associations, que l'on cite dans les discours destinés à galvaniser d'immenses foules et qui incarnent les valeurs de la résistance comme le don de soi et le sens du sacrifice. Vous en êtes l'un et l'autre de parfaits exemples. Et pour Jürgen ? Commandant Skon, on le nommera lieutenant. Quel grade as-tu ? Capitaine. Alors moi aussi je veux être capitaine. Non, merci. Nous ne tolérerons pas plus longtemps vos actes de violence aveugle. C'est parfaitement inacceptable. On tue ses ennemis, c'est comme ça, la guerre. Je veux Hoffman. Une fois que ce sera fait, on parlera commandement. C'est absolument hors de question. Je respecte votre position, mais Hoffman, ça n'apporterait rien de positif. On verra. Sachez que nous avons d'autres solutions pour vous faire tenir tranquille. Je vous présente des excuses au nom de Spex. C'était déplacé. Dans ce dossier se trouve le nom d'un traître qui appartient à votre organisation. On va où exactement ? Au cerveau. Acceptez-le. En gage de nos bonnes intentions. Vous avez une photo de lui ? Non, seulement son nom et son adresse. J'ai envie de pisser. Ouais, moi aussi. Désolé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais aller voir mon père. Ça fait longtemps ? 3 ans. Attends-moi. Bonjour, père. Tu veux un verre de vin ? Hein ?
Comment se fait-il que tu viens me voir? J'avais envie de savoir comment allait mon père. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Que veux-tu? Tu as beaucoup de clients allemands ici. Ce sont les clients qui choisissent l'hôtel et non l'inverse. À ce qu'on dit, Hoffmann est un habitué? Le chef de la Gestapo. J'en sais trop rien. Il faudrait que je lui parle. En tout cas, à ce qu'il paraît, c'est un homme sympathique et intelligent. C'est également un nazi et un criminel. Mais c'est un fait. Tu les as toujours aimés. Ces types. Ce que j'admire, c'est la culture allemande et les merveilles qu'elle a engendrées, ça oui. Mais ces types-là, non. J'imagine combien cette guerre doit te décevoir. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. J'essaie simplement de joindre les deux bouts. Mais tu es un peu trop jeune pour le comprendre. Avec ton intelligence et les études que tu as faites, tu aurais pu trouver mieux que de te promener en voiture pour tuer des gens. Mais à côté de ça, tu es devenu un héros. Écoute. Si tu consens à me recommander à tes amis communistes et que tu t'engages à ne pas abattre Hoffmann à l'hôtel, je suis prêt à te dire ce que je sais. Marché conclu. Les services de renseignement de l'armée m'ont demandé de l'approcher. Je me contente de suivre les ordres. Ma chère Katie, merci pour hier soir. Tu étais éblouissante. Ton rire me rend tellement heureux. Ton dévoué Karl-Heinz, vous vous appelez par votre prénom. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est bien au-delà de ça. Mon travail nécessite des sacrifices. On me demande et j'exécute. Tu as couché avec moi à leur demande? Non. Bien sûr que non, voyons. Ce n'était pas prévu, toi et moi. C'est vrai. Bent, écoute. Hoffmann ne représente rien pour moi. Toi, si. Tu comprends? Dans ce cas, dis-moi quelle voiture il conduit. Dis-moi quel chemin il prend pour aller au Dagmarus. Et son numéro d'immatriculation. Bent, il faut pas que tu me le demandes. Tu as promis que tu ne le ferais jamais, Bent. Tu as donné ta parole. Bent, je t'aime. Tu comprends ça? Ça n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. Ah!
supposons que j'accepte de te le dire. Est-ce que tu viens avec moi à Stockholm? Nous irons à Stockholm et nous ne reviendrons jamais. Tu me le promets? Promets-le-moi. Il conduit une petite Opel cadette. Des semaines impaires. 23, 34, 5. Et une grosse Mercedes les semaines paires. 44, 19, 3. L'itinéraire est imprévisible. Quelquefois Roskildeweg et d'autres fois Vigerslweg. Mon cher Bent, Hoffman est à ma recherche. Je pars tout de suite pour Stockholm. J'espère et je crois que tu m'y rejoindras. Il est mort. Tu
as toujours des uniformes de policiers. Oui. On va aller au Dagmarus. Et on demandera à voir Hoffman. Il faut le faire. On n'entrera jamais. Mais même si on peut entrer jamais, on en ressortira. On avance, on avance. Merci. Suivant, on avance. Allez. C'est pas vrai, mon Dieu, ils sont encore là, ceux-là. Je croyais qu'on était enfin débarrassés d'eux. Halte ! Halte ! Halte ! Sortez de la voiture ! Sortez ! Sortez ! On les sort ! Allez ! Ils sont dit ! Avance-toi, avance ! Allez, allongez-vous par terre ! Allonge-toi ! Plus vite que ça ! Bouge pas, toi ! Dans le camion ! Il n'a rien sur lui. Dans le camion. Allez, plus vite que ça. Contre le mur, j'ai dit. Allez, mets-toi là. Bouge pas, t'as compris? Ça traîne là, avancez. C'est de là, au bout. Debout, contre le mur, mais vite, allez. Contre le mur, et on écarte les jambes d'un mètre. Allez, les jambes, toi. Il se passe quoi? Ils ont arrêté toute la brigade. Et on va être envoyés en camp de concentration. Je veux tous les voir alignés face au mur. Tout de suite. Est-ce que t'as ton baby Browning? Dans ma botte. Écarte les jambes. Et toi? Oui. Allez, contre le mur. Dans une seconde, je sauterai la palissade et tu te sauveras. Comment vous sentez-vous? Ça va bien. Dommage qu'il m'ait fallu une balle dans le poumon pour que vous vous occupiez de moi. Vous savez ce que j'ai fait? Est-ce que... Non. Je
reviens demain.
dois te descendre. Faut pas qu'il t'attrape. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Haben Sie keinen Anstand? Decken Sie die Männer zu. Jawohl. Jawohl. Für die 20.000 Kronen. Du kannst sie morgen Vormittag abheben. Albrecht, wir haben noch einen Brief bei ihm gefunden. Das für dich.
Tu te souviens quand ils sont arrivés? Tu te souviens du 9 avril? Je pense que oui. Tout le monde s'en souvient. Je n'ai pas arrêté de réfléchir. Peu importe ce qu'ils disent, je ne crois pas que ce soit toi. Tu n'es pas comme ça. Où irons-nous après, une fois que tout sera fini? Je n'en sais rien. Pouvons-nous jamais revenir sur nos pas? Pouvons-nous jamais avancer? Peut-être. Peut-être pas. À l'heure qu'il est, il ne reste que la flamme. Thank you.
Thank you.